Mi chiamo Mario Taddei e per la prima volta qui in Francia vi ho portato il leone meccanico di Leonardo da Vinci. Bonsoir, bienvenue à l'hôtel des Galifets. Merci d'être avec nous ici à l'Institut culturel italien. Una parte del mio lavoro è quella di studiare sia i dipinti, ma soprattutto i manoscritti di Leonardo da un punto di vista ingegneristico. È una rappresentazione grafica che vi fa capire quanti sono 6.000 fogli, è tantissimo. Leonardo, dal mio punto di vista, mi posso sbagliare, ma ha dedicato maggior parte della sua vita nella ricerca scientifica piuttosto che nella pittura. Est-ce que le lion a été effectivement construit et pour quelle occasion? Alors, nous avons un témoignage de 1600 par Michelangelo Buonarroti le Jeune, c'est-à-dire l'aîné de Michel-Ange, qui nous parle d'un folion, d'un lion automate qui a été réalisé en 1600 pour les noces de Marie de Médicis avec Henri IV. Donc, une alliance, disons, Médicis au roi de France en 1600. Et ce lion, c'est un lion qui marche tout seul, c'est un petit lion qui doit marcher sur la table des dames durant les banquets du mariage. Et finalement, il doit marcher, se soulever sur ses pattes postérieures, s'ouvrir pour montrer que l'intérieur il était plein de fleurs de lys. Io ritengo che questo tipo di manoscritti, che è il 90% dei manoscritti Leonardo, che apparentemente è molto brutto, perché non lo avete sicuramente visto nei libri, nasconde più segreti che nella Mona Lisa. L'idea è quella di andiamo a cercare qual è un manoscritto che ci può far vedere quale poteva essere il leone meccanico di Leonardo da Vinci. Le lion a été réalisé, mais pour quelle occasion e finalement pour quel roi? On a des mystères à résoudre. Voilà, on n'en doutait pas, mais ce soir on a eu encore une nouvelle démonstration de du génie de Leonardo. J'espère qu'on vous a donné l'envie de découvrir encore plus ses travaux.